Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre Alter JT. Menace de mort, islamisme, agression, grosse magouille à l'IUT de Saint-Denis, info ou intox ? Alternatiba, une première victoire de la désobéissance civile à Marseille. SNCF, pendant qu'ils nous font pédaler en gare pour recharger nos portables, ils liquident les trains de nuit, pourtant indispensables dans la lutte contre le dérèglement climatique. Sexisme et publicité, on n'est pas obligé de subir. Les Amiénois montrent la voie. Mémoire, avant l'appel du 18 juin, il y eut les massacres du 18 juin. Retour sur une dimension méconnue de la colonisation française de l'Algérie. Et puis ils connaissent un succès croissant, les cercles de pardon. L'Alter JT est allé demander pardon pour voir comment ça fait. L'affaire a fait grand bruit dans la presse récemment. Il faut dire que tous les ingrédients étaient réunis pour faire de celle-ci un cocktail explosif. Salle de prière clandestine, prosélytisme islamiste, tripatouillage sur les budgets et un directeur menacé de mort et finalement agressé un soir. Mais les choses sont loin d'être aussi claires qu'on voudrait bien le faire croire. Voici le premier volet d'une enquête que nous consacrons à cette affaire. Rien ne va plus à l'IUT de Saint-Denis. Depuis un an, son directeur, Samuel Mayol, se plaint de subir des menaces de mort à répétition ainsi que des insultes antisémites. Après avoir porté plainte à chaque nouvelle menace de mort reçue par courrier postal, il fut agressé en pleine rue à Paris par deux individus non identifiés qui le frappèrent au visage. Vous êtes le patron d'un IUT, vous aviez un chef de département qui s'appelle Rachid Zouad, qui manifestement, puisque le rapport donc de l'éducationnel le précise, a mal géré son département, c'est moins qu'on puisse dire, de façon illégale. Il y a eu un rapport, ce rapport est confidentiel. Moi, je ne communiquerai pas sur le contenu même de ce rapport. Pas sur le rapport, mais sur ce que vous avez vu et arrêté. Vous avez mis fin à quoi ? À des dysfonctionnements, effectivement, où il y avait des tentatives de détournement de fonds à travers des heures complémentaires, qui pour moi était totalement injustifié. Donc des profs non qualifiés qui donnaient des cours, d'autres qui étaient payés pour des cours qui ne donnaient pas, tout ça par exemple. Hein, ouais, c'est ça. Avec des professeurs féminines qui étaient écartées au profit de profs masculins. Exactement. Une association qui voulait vendre des sandwichs halal, c'était interdit. On avait ouvert une salle dans laquelle il y avait des tapis de prière. Et c'est ces dérives communautaires auxquelles vous avez mis fin. J'ai mis fin à ces dérives-là. Rachid Zouad, chef du département technique de commercialisation de l'IUT, rejette en bloc ces accusations et affirme avoir porté plainte pour diffamation contre M. Mayol et contre tous les médias ayant relayé les accusations de celui-ci. Évidemment, c'est le choc. Le choc déjà de voir sa photo dans les médias, le choc de voir son nom étalé sur la base simplement d'allégations. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y a rien de confirmé par la justice, rien de confirmé par une institution admise et reconnue par tout le monde. Et donc mon nom est jeté en pâture, et j'ai une famille, et évidemment aucun égard vis-à-vis, par rapport à cette famille ou conséquences. Au mois de mai, ou un matin, à 6h30, la police fait irruption à mon domicile. J'étais au lit, je dormais. Et on m'annonce que je suis mis en garde à vue. On fouille mon domicile. Donc on prend mon téléphone et puis les ordinateurs, y compris celui de mon fils. Les tablettes. Et ensuite, je me retrouve donc à Bobigny, au siège probablement de la police judiciaire, en tout cas du service départemental, il me semble. Donc je découvre une cellule pour la première fois de ma vie avec des conditions qui ne sont pas agréables et que j'ai du mal à comprendre parce que si j'avais été convoqué, j'ai toujours répondu aux convocations et si on souhaitait saisir du matériel, on pouvait venir à tout moment de la journée, mais une irruption de cette nature-là, cette forme-là, un traumatisme, et plus particulièrement chez des personnes plus jeunes, notamment nos enfants. Je n'ai évidemment rien à voir, ni avec cette agression, ni avec les menaces qui avaient été signalées auparavant. J'ai été relâché le soir même vers 19h ou 19h30, je ne sais plus, ou 20h,
À ce moment-là, on est quand même assez déphasé. Nous nous étions vus depuis le début des événements, quasiment en janvier-février 2014, à plusieurs reprises, dans plusieurs réunions. Et notamment une où on aurait dû parler de ces problèmes-là s'il m'imputait des choses, c'était la réunion des responsables de département avec le directeur. À aucun moment, M. Mayol n'a évoqué ces problèmes pour essayer d'avoir mes réponses ou que l'on puisse collectivement trouver une réponse à ce qu'il présentait comme étant des dysfonctionnements. Ce qui est sûr est que ces faits motivent certains internautes à tenir des propos islamophobes sur les sites d'information en ligne. Marseille aurait-elle la municipalité la plus bête de France ? En tout cas, c'est à ce jour la seule qui est tentée d'interdire l'arrivée des tandems d'Alternatiba. Partie de Bayonne en vélo multiplace, une poignée de militants de la lutte contre le dérèglement climatique ont en effet entrepris de parcourir plus de 5000 km pour faire surgir les villages des alternatives et dynamiser la pression populaire à l'encontre des dirigeants qui se réuniront en décembre prochain à Paris à l'occasion de la COP21. Heureusement, les responsables d'Alternatiba n'ont pas plié et ont au contraire appelé à désobéir à Jean-Claude Gaudin, le maire UMP républicain de la deuxième ville de France. On va le voir, la fête et la mobilisation ont bien eu lieu. Et merci à M. Gaudin pour la pub que vous leur avez faite. Et nous voilà donc à Marseille, sous le soleil, à vélo pour accueillir l'étape marseillaise de l'Alternatiba Yoli, le Tour de France des initiatives pour lutter contre le réchauffement climatique. Et évidemment à Marseille, dans la ville la plus embouteillée de France, la ville où la voiture est reine, ça ne pouvait commencer évidemment que par une vélorution. Allez, c'est parti! Comment ça va les mollets là depuis Bayonne? Non, franchement ça va, je m'attendais à pire. Parce que bon, j'avoue que j'ai fait une petite pause entre Pau et Toulouse moi. On n'est pas tous des grands sportifs, même la plupart non, et honnêtement ça passe. Ça prouve que la solidarité et l'effort collectif portent ses fruits. Il y a plein de gens qui ne prennent pas le vélo parce qu'ils ont peur, parce que c'est dangereux, parce que voilà, et ça aide pas quoi. Donc il faut que les villes, il faut qu'on aménage les villes aussi différemment pour qu'on puisse se déplacer autrement et puis c'est plus agréable à vélo hein, quand même. Départ en fanfare donc pour cette étape marseillaise d'Alternatiba. Et pourtant, il faut savoir que l'organisation de cette manifestation est indésirable. Hop là, dans cette ville. Et oui, le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, a décidé d'interdire à l'organisation d'installer ses tentes, son village des alternatives sur la Canebière. Mais bon, pas de quoi décourager les organisateurs. Nous aurions été prêts à nous faire arrêter par la police, nous faire traîner sur le sol, embarquer dans les fourgons, parce que l'affaire est sérieuse et notre génération a une immense responsabilité sur les épaules. C'est une bataille que nous devons gagner, que nous sommes obligés de gagner et ce n'est pas quelques élus complètement à la traîne qui n'ont rien compris à ce qui se passait et qui sont vraiment des vieux, mais pas au sens du nombre d'années, mais de ce qu'ils ont dans la tête et de leur défense de ce vieux monde et qui nous font louper toutes les opportunités historiques de faire une transition tant qu'il en est encore temps, qui vont nous en empêcher. Dans 5 minutes, il y a l'eau qui va nous submerger. Comment je fais pour respirer? Il me faut un masque et des palmes. C'est un symbole de la montée de l'eau et qu'il va falloir qu'on s'adapte. Et surtout qu'on essaye d'éviter que ça se provoque. Ça arrive. Bienvenue à Alternatiba. Bonne route par la suite et je dépose cette palme d'or au pied de Notre-Dame de la Garde. C'est vrai qu'on n'y dormait pas bien.
Mais c'est vrai aussi qu'il permettait de faire de très longues distances sans trop voir le temps passer, en économisant même le prix d'une nuit d'hôtel, et surtout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Une coalition européenne, Back on Track, se propose de défendre le réseau ferroviaire européen comme véritable alternative à l'avion. La campagne européenne Back on Track a coordonné une action de sensibilisation à la suppression des trains de nuit en Europe ce samedi 20 juin. À ce titre, des activistes de Berne, Berlin, Copenhague et Paris se sont rendus en pyjama en gare où les trains de nuit ont été supprimés. Nous sommes à la gare de l'Est sur le quai numéro 7 qui assurait le trajet Paris-Berlin. Le train a été remplacé par un train moscovite. Ce qui se passe au niveau français se voit aussi au niveau européen, c'est qu'on supprime des lignes assez structurantes entre les capitales européennes, comme le Paris-Berlin, comme le Copenhague-Bâle, comme les Paris-Madrid. Enfin, c'est les trains qui permettaient de traverser sur des longues distances les pays européens. Et face à la suppression de ces différents trains de nuit et de trains même de jour, parce qu'il y en a des trains de jour qui sont supprimés aussi, il y a une campagne européenne qui s'est montée qui s'appelle Back on Track. La SNCF a choisi de s'engager pour le climat avec sa vitrine Le Train Expo, un train comme une galerie de musée qui délivrera des informations scientifiques sur le climat, proposera des échanges avec le public, les scientifiques et les décideurs. Ces décideurs ont-ils seulement lu le rapport de la Cour des comptes qui recommande d'interrompre le processus de réduction des trains intercités au profit du TGV ? Oui, mais actuellement, quand tu prends à Berlin... Actuellement, je suis obligé de prendre l'avion parce qu'il n'y a aucune liaison qui est correcte. Bah oui. En fait, c'est super long, il y a au moins une correspondance, voire deux, trois. La suppression des trains de nuit, les trains corail ou TET, train équilibre territoire, entraîne le développement du transport en autocar et des compagnies d'aviation low cost, et non le contraire. Car le train reste une idée moderne et nombreux voyageurs sont séduits par des trains qui ne sont pas des TGV, d'autant plus si cela fait baisser le prix de leurs billets. Femme objet, corps amaigri, forme photoshopée pour vendre tout et n'importe quoi, sur les 3000 messages publicitaires non sollicités qu'un individu subit en moyenne sur une seule journée, il en est de très nombreux qui offrent de la femme une image dégradée, instrumentale et déplacée. Pour répondre au matraquage sexiste des publicitaires, les désobéissants d'Amiens sont passés à l'action. Femmes objetisées, amaigries, photoshopées, elles et ils en ont assez d'arpenter les rues, matraquées d'images publicitaires et autres slogans sexistes. Ce collectif d'Amiénois a décidé de mener ce samedi 6 juin une action anti-pub sexiste afin de sensibiliser la population à ce type de discrimination. L'objectif de l'après-midi, c'était de sensibiliser les médias et le grand public aux différentes pubs sexistes qui sont faites dans l'espace public et à Amiens. Nous sommes réunis cet après-midi. On a réuni une quinzaine de personnes avec le collectif des désobéissants et d'autres alliés pour organiser cette action. Et on a remarqué en discutant avec les passants que le même constat que nous, les gens étaient assez défavorables pour voir une femme dénudée pour vendre un produit, que ce soit un produit cosmétique ou un maillot de bain. Depuis 15 jours sur Amiens, on a remarqué qu'il y avait la marque Alzedonia avec un affichage qui était plus que massif du nord d'Amiens jusqu'au centre-ville, avec une stratégie de communication qui fait que nous-mêmes, qui ne sommes jamais allés dans le magasin, on a été très alertes par rapport à la vente de ce produit qui était un maillot de bain. Donc on a de manière symbolique et rigolote voulu aller ponctuer notre après-midi devant ce magasin, en rentrant dans le magasin, discutant avec le gérant, collant aussi de l'affichage « je ne suis pas à vendre, je ne suis pas un objet » pour demander au responsable du magasin qu'au niveau de son siège, il puisse demander ou appuyer notre courrier d'abandonner des pubs sexistes de grand format tout au long des boulevards de la ville d'Amiens. Est-ce que tu veux de l'alcool pour les collectifs ? L'idée c'était d'avoir un parcours au sein de la ville d'Amiens et on avait ciblé différentes affiches où il y avait justement les grandes affiches Calzedonia et du coup on avait tout un petit parcours et en fait une par une on a fait les affiches avec des slogans, plein de slogans, puis en fait ça a un petit peu dérivé, après on a eu des vitrines avec des publicités sexistes. On a été dans 2-3 magasins, on a mis quelques affiches, quelques autocollants, tout comme ça.
La plupart des personnes avec qui on a échangé sur l'objectif de l'action sensibiliser contre les plus sexistes, on n'a pas eu d'animosité, tout le monde était assez favorable. Même des personnes presque nous auraient suivis sur le parcours pour nous aider à coller et afficher. Donc c'est assez positif au niveau du ressenti des passants, enfin et même dans les magasins où on s'est arrêté un petit peu plus longtemps. Nicolas Sarkozy voulait demander aux enseignants de rappeler le prétendu rôle positif de la colonisation pour les pays colonisés. La protestation des historiens, des associations et des citoyens qui refusent l'histoire officielle et le travestissement du passé avait fini par convaincre le président de la République d'alors, Jacques Chirac, de retirer l'alinéa fatal. À l'altergité, nous avons voulu profiter des commémorations de l'appel du 18 juin du général de Gaulle pour commémorer un autre anniversaire qui ne devrait plus laisser place au doute quant au désastre lié à l'œuvre colonisatrice. Le 18 juin dernier était une fois de plus célébré le fameux appel du général de Gaulle aux forces de résistance à l'occupation allemande. L'occasion pour nous de rappeler que le 18 juin est aussi le triste anniversaire d'un événement historique caractéristique d'une autre occupation, celle de l'armée française en Algérie. En effet, le 18 juin 1845, le colonel Pélissier fait asphyxier plusieurs centaines de personnes des Ouled Ria, hommes, femmes et enfants qui s'étaient réfugiés dans des grottes de la région du Dara. La technique consistait à allumer un feu à l'entrée de la grotte pour la remplir de fumée et en consumer tout l'oxygène et ne laisser aucun survivant. Pélissier aurait déclaré devant les 760 cadavres « La peau d'un seul de mes tambours avait plus de prix que la vie de tous ces misérables ». Les enfumades meurtrières étaient pratiquées également par d'autres militaires de l'armée française tels que Thomas Robert Bugeaud ou encore Eugène Cavaignac. Notons que ces tragédies ne sont toujours pas évoquées dans les programmes scolaires. Au contraire, en matière de commémoration, la France continue d'honorer les bourreaux plutôt que les victimes et ce, de manière significative, par le choix de nommer les artères de ces villes des noms des auteurs de ces atrocités, comme c'est le cas par exemple au Grand Quevilly, à Neuilly-les-Mines, à Béziers, à Paris, à Tours, à Gourdon, au Havre, à Brive-la-Gaillarde, à Périgueux et dans bien d'autres villes françaises. Le 16 juin dernier, notre chère Léna participait à un cercle de pardon parisien, animé par Jean-Luc Penet. L'occasion de se libérer des émotions toxiques et de partager des moments forts ensemble. Nous sommes le 16 juin 2015 et je viens de participer à un cercle de pardon. Alors je peux vous dire que ça a été riche en émotions, très intense. Je n'ai pas d'image du cercle en question pendant les exercices parce que ce sont des moments très intimes. Place à Jean-Luc Penet, organisateur de cette soirée. Les gens sont invités à se mettre en cercle. Pourquoi un cercle ? Parce que dans toute l'humanité, on retrouve des cercles dans tous les coins du monde. Et donc, c'est une belle symbolique. Il n'y a pas d'angle, tout est rond. Quelque part, les gens lâchent le mental, lâchent la journée de travail et se positionnent dans un autre cadre. Et ensuite, le moment est venu pour qu'ils puissent effectivement se présenter les uns après les autres, face à l'autre, face à chacun, en lui demandant après un court instant, te demande pardon. On en avait parlé dans un précédent reportage avec Olivier Clerc, auteur de Peut-on tout pardonner, qui est à l'initiative de ces cercles de pardon. Sentez ce qui se passe quand je dis je garde rancune, comment il y a un truc qui se noue, qui se ferme dedans, ou on dit je pardonne. Il y a le mot donner dans pardonner. Hein, comme en anglais to forgive, en allemand vergeben, c'est la même idée chaque fois. Donc l'idée que je libère, que je relâche quelque chose. La magie de ces cercles de pardon, c'est que ce qui s'y passe a une dimension, ce qu'on appelle transpersonnelle, c'est-à-dire ça va au-delà de simplement les gens qui sont là. Des pardons s'échangent à travers les uns et les autres d'une manière qui est juste bouleversante. Je vais vous donner un exemple tout frais. J'animais il y a 10 jours un cercle de pardon, on était 180 au lieu de 60. Parmi ces 180 personnes, il y avait une femme qui était là, qui portait quelque chose de lourd parce que son père a participé à la prise et à la chute de Dien Bien Phu. Il y avait aussi une personne, un Vietnamien qui était là. Et dans le processus qui se passe vers la fin de ce cercle, ils se sont retrouvés un moment l'un face à l'autre. Il n'y avait même pas une chance sur 10 que ça arrive. Ce pardon a pu s'échanger dans les deux sens. Parce qu'il y avait la prise d'un côté, donc la responsabilité française, il y avait la chute, donc la responsabilité vietnamienne, et quelque chose s'est guéri et dans l'un et dans l'autre. Un de mes grands amis, Alain Michel, a créé la Fondation Homme de Parole à Genève. Il a réalisé un projet que tout le monde jugeait impossible. Il a fait se réunir une centaine d'imams et de rabbins et dialoguer et discuter et prier ensemble. Quand il a eu l'idée de ce projet, tout le monde lui a dit « Non mais tu rêves ». C'est juste même pas possible de réunir ces gens-là et de leur faire ça.
Eh bien, c'est impossible, il l'a réalisé déjà par 3 fois. D'être des fois un peu idéaliste, un peu rêveur, d'imaginer des choses comme ça, de faire comme Martin Luther King et dire « I have a dream », et dans ce rêve-là, d'imaginer des grands cercles de pardon où seraient présents non seulement des politiciens, mais d'autres personnes, peut-être de la société civile ou autre, je pense que c'est un rêve qui ne peut pas faire de mal. Mais je dis toujours, c'est un processus à vivre, je peux en parler comme ça, mais il faut le vivre une fois pour le ressentir personnellement. Et voilà, cette édition de votre altergité est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous proposer des reportages, à nous proposer également vos témoignages, à nous envoyer vos informations. Cette altergité est aussi, ou peut-être d'abord, le vôtre. N'oubliez pas également que l'information libre, indépendante, au service des luttes et des alternatives a un coût. Sur cette adresse Tipeee, vous pourrez nous soutenir financièrement. Et on se quitte en musique avec nos camarades Dashka et les Saltimbanques qui ont organisé le concert sauvage interdit que Monsieur Godin voulait annuler pour l'Alternativa à Marseille. C'était ce mercredi. Au revoir et d'ici là, on lâche rien. Dis-moi mon frère, est-il vrai que ces maisons cachent votre soleil? Est-il vrai que vous travaillez dur jour et nuit pour payer des prisons dans lesquelles vous vous enfermez toute votre vie? Est-ce vrai que vous bâtissez des murs pour mieux vous protéger? Et pour protéger vos murs, sortez les barbelés. Les mirages n'existent pas que dans le désert apparemment. Si un chameau te dit qu'il sait parler, c'est qu'il te ment. S'il vous plaît. Accueillons nos amis d'Alternativa comme il se doit.